mon petit garçon, mon enfant, mon amour. Il pleut sur la maison, mon garçon, mon amour. Et mon père vient sur le mal. Mon père vient sur le mal. Oui, il m'en connaît le cœur. De l'accent, mais après tout en neige. Pourquoi cette faveur? Pourquoi ce privilège? Et si je vous disais après tout, gens du Nord, que c'est vous qui, pour nous, semblez l'avoir très fort. J'aime pas Martine, mais j'aime faire la bise au bibi. Oui, j'aime faire la bise au bibi. Ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas vu? Bien un an, je crois. C'est drôle, quand je vous ai retrouvé tout à l'heure sur le plateau, je me suis dit, il y a un siècle que je n'ai pas vu Ferrat, et j'ai pas tellement envie de parler de choses importantes. Avec Jean Ferrat, il y a une telle simplicité que tout est dit, de toute façon, pour toujours. Ah ben c'est trop. Mais pour nous deux peut-être, mais pour les autres. Oui, c'est bien pour ça qu'on est là. Ben oui. Qu'est-ce que vous avez fait pendant un an? Dis-je comme si je ne le savais pas. Oui, eh bien pendant un an, j'ai chanté, puis j'ai voyagé. Dans la mesure où nous ne sommes pas ici pour parler politique, dans la mesure où tout le monde vous connaît, et c'est ce que vous pensez, je voudrais qu'on parle de ce grand voyage, mais vu du point de vue du chanteur, du créateur, du voyageur. Ah! Ah! Eh bien, parlons-en si vous voulez. Je suis allé là-bas, d'abord, je n'y suis allé pas pour chanter au départ. Je voulais y aller pour voir le pays. Quand les Cubains ont su que je voulais venir, ils m'ont demandé si je voulais chanter et, en définitive, j'ai accepté. J'ai donc fait une série de 10 tours de chant là-bas, à La Havane, d'abord, et puis à Santiago de Cuba, qui est, si vous voulez, ce qu'est Marseille en France. C'est tout à fait le sud de la province, c'est l'Orient, c'est là où il y a encore très vivaces des traditions musicales, et j'ai été très étonné d'ailleurs par tout ce que j'avais entendu avant de musique et dont j'ignorais que ça venait de Cuba. Et je me suis aperçu là-bas, je me suis dit, tiens, mais ça, c'est, je connais ça. Par exemple, sans parler du cha-cha-cha, mais un tas de rythmes divers qui sont originaires du folklore de l'Orient de Cuba. La conga, en particulier, qui couvre beaucoup de choses. Et puis, il y a des dansons, des choses... on m'a dit que c'était très différent. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Mais pour eux, ça fait une très nette différence. C'est certain que leur folklore est extrêmement riche. Qu'est-ce que vous avez rencontré là-bas comme êtres humains? En particulier, j'ai rencontré un garçon, un noir, qui nous a accompagnés pendant tout notre voyage. C'est lui qui s'occupait de nous. C'est un noir athlétique qui a tout du lion, avec un visage extraordinaire, comme l'ont certains noirs. Et ce garçon, si vous voulez, c'est un des exemples typiques, j'ai l'impression, de ce qui s'est passé et de ce qui se passe là-bas. Ce garçon est jeune, il a une trentaine d'années. Et il y a à peu près 10 ans,
Il coupait la canne à sucre, il gagnait absolument 80 centimes de nos centimes actuels par jour. Il savait ni lire ni écrire. Depuis, il a appris évidemment à lire, à écrire. Il a appris le français, parce qu'on avait besoin de traducteurs, ils avaient besoin de traducteurs, en 6 mois, parce qu'il fallait l'apprendre en 6 mois. Il a appris le russe, parce qu'il est allé 2 ans en URSS. Et si vous voulez, il était l'aîné d'une famille de 12 enfants, dont 10 ont été tués. Et c'est vraiment l'exemple pour moi typique de ce qui a été donné aux gens comme possibilité là-bas. Il est certain que s'il y avait toujours eu le même régime, ce garçon, et il dit lui-même, aurait toujours coupé la canne à sucre pour 80 centimes par jour quand il pouvait être engagé. Je pense que ça a été une chance pour lui et que je crois qu'on donne là-bas les chances aux gens. Qu'est-ce qu'on attendait de vous, Français ? Eh bien, d'un chanteur français dans mon genre, si vous voulez, dans ma catégorie, il n'en avait jamais vu et ils ont été très surpris. Je crois qu'ils vont essayer, avec toutes les différences qu'il peut y avoir, de susciter et d'encourager des gens, dans la tradition un petit peu des mélodistes. Des auteurs, compositeurs français, si vous voulez, qui... Des gens qui font des chansons d'expression. Et une chose qui me fait plaisir au retour de ce voyage, j'ai l'impression que vous portez ça dans vos bagages. Vous ramenez de l'amour. Vous ramenez de très belles provisions pour des chansons d'amour. Mais c'est-à-dire que, si vous voulez, le voyage que j'ai fait m'a beaucoup encouragé et m'a donné beaucoup d'espoir.